Oui, ce matin, pour le dévotion matinal, nous allons lire donc 1 Roi, chapitre 14. Ce matin, donc, ce nous révèle une chose. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu n'abandonne donc jamais les personnes qu'il a donc choisies. Ici, on parle de deux rois. Leurs destins sont fort différents. Tous les deux font le mal. Là, son royauté peut continuer, mais l'autre. Donc, il n'y a que la mort qui est au cœur. Donc, là, Dieu est sévère par rapport à l'un et beaucoup plus souple par rapport à l'autre. Pour quelle raison? La raison, c'est David, car Dieu a choisi David. Dieu ne va pas donc abandonner ce qu'il a choisi. Car David, il avait donc suivi donc Dieu, son cœur a suivi Dieu, et Dieu se souvient pour toujours. C'est une chose importante. Donc je vous encourage, donc il faut donc suivre Dieu de notre cœur. J'espère que je puisse donc que mon cœur puisse être complètement derrière Dieu. Malgré que j'ai des faiblesses, le fait que je suis tout à fait derrière, suivre Dieu, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de faiblesses. J'ai aussi des faiblesses. Mon épouse Simone m'aide sans cesse. Tous les jours, elle m'aide à changer. Avant, je ne savais pas. Je disais qu'elle était donc que je disais. Donc comme l'oiseau qui me pique sans cesse. Mais aujourd'hui, je vois en arrière qu'elle est mon aidante, elle m'a aidé. J'ai beaucoup de faiblesses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide de mon épouse. Et d'un côté, je suis donc suivre Dieu de tout mon cœur. Cœur, je vais être comme David, quelqu'un qui suit Dieu de tout son cœur. Notre Église, c'est ce que Dieu veut que nous soyons établis et ce que Dieu nous a donné de tout. Tout puisse subsister jusqu'à toujours. Pour son cœur, florissant sans cesse. Je veux dire à frères et sœurs dans l'Église 11, vous êtes donc choisis par Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi, moi, je vous ai choisi. Dans ce choix, Dieu ne va pas être donc rejeté, ne vous abandonnera pas. Mais quelle que soit la faiblesse, Dieu ne va pas nous abandonner. Donc ces mots sont dits aux Israélites qui étaient donc en exil. Nous savons que le livre d'un roi a été fait donc pendant la période de l'exil ou après l'exil. Ici, donc l'auteur dit au peuple qui était en exil que Dieu ne nous abandonne pas. Nous allons entrer dans le verset de ce jour. Hier, nous avons dit que Dieu, croyez que Dieu règne à chaque moment des soirs, ses paroles se liseront sur moi. Ça, c'est hier. Donc, à tout moment, toutes les choses, il y a Dieu qui contrôle tout. Donc, je vais donc embrasser l'actuel, ce que Dieu nous a donné. Car actuellement, tout ce qui se passe, c'est donc accepté par Dieu.
Évidemment, c'est accepté par Dieu. Mais d'un autre côté, donc c'est Dieu qui a organisé, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous donne toujours le meilleur. Nous voyons que Dieu va entrer dans, intervient dans l'histoire. Donc, même si nous entendons le période le plus bas de l'histoire, Dieu intervient. Donc, Dieu intervient à tout moment. Comme si j'étais, donc, cette croyance, c'est ce que je vois. Je peux embrasser ceci. Donc, rendre grâce à tout moment. C'est ce que nous commençons. Donc, dans votre abandon, donc, prier sans cesse et rendre grâce à tout moment. Nous devons examiner donc, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ce qui est bon, il faut le faire. C'est-à-dire suivre Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Même si quand l'histoire le plus bas, Dieu est à l'œuvre, Dieu intervient. J'embrasse donc que Dieu intervient. Je sais que Dieu est là. C'est pour ça que je ne vais pas être donc pas désespoir, je ne vais pas la laisser tomber. Car je sais qu'à toutes choses, il y a Dieu. Car Dieu contrôle tout. Dieu contrôle donc l'histoire à tout moment. Même tes cheveux, Dieu les a comptés. Je vais dire à beaucoup de jolies filles, donc c'est Dieu qui contrôle votre poids. Il y a des gens qui mangent et ne grossissent pas, et d'autres qui boivent et grossissent. Donc tout est aux mains de Dieu. Le plus important, c'est notre cœur. Est-ce que c'est derrière Dieu? Si tout notre cœur est derrière Dieu, alors notre essence sera dans la bénédiction. Nous allons voir comment Dieu va donc, exercer sur les deux rois qui font le mal. Un, c'est le roi Jéroboam et l'autre, c'est Roboam. Donc, on a vu après Solomon, c'était donc c'est Jéroboam. C'est ce que la Bible dit. Donc, et puis, on apparaît que dans ce chapitre, verset 1 à 20, c'est la première partie. Donc, Dieu traite sévèrement contre Jéroboam. Avec ce G, Dieu n'est pas ce serait pas de manière si bien. À cette époque-là, Abia, le fils de Jéroboam, tomba malade. Verset 1 à 5. Le fils de Jéroboam, il est malade, il aime cet enfant. Et alors que Jéroboam dit à sa femme, la joie de déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme. Puis, il va à Silo, c'est là que tu vas trouver Achia, le prophète qui m'a dit que je serai le roi de ce peuple, le roi d'Israël. Prends avec toi donc 10 pains, des cadeaux et un pot de miel et rentre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva et alla à Silo et entra dans la maison de Achia. Celui-ci, donc Achia, ne pouvait plus voir car il avait le regard fixé par suite de la vieillesse. Donc la situation de Achia était assez bas. Il était tellement bas, c'est comme le vieux Élie. Ses yeux ne pouvaient plus voir. Donc, ce prophète, sa situation spirituelle aussi très bas.
Celui-ci ne pouvait plus voir, il avait le regard fixé. Il ne pouvait plus voir, il était vieux. Peut-être qu'il ne pouvait bouger, il ne pouvait voir. Il n'avait plus aucune force. Mais Jéroboam ne savait pas de sa situation. C'est pour ça qu'il a demandé à son épouse de se déguiser. Donc, s'il savait qu'il était donc aveugle, ça ne sert à rien de se déguiser. Donc, ça ne sert à rien. Donc, cette action, donc, ça ne sert à rien. Pourquoi il fait donc, cette action qui ne sert à rien? Il a pris donc 10 pains, des gâteaux et un pot de miel. Allez, pourquoi faire? Je ne vois pas, mais jusqu'à maintenant, il veut utiliser, il veut donc maîtriser donc le prophète. Il veut lui donner quelques cadeaux. Donc il veut donc le donc, donner des cadeaux pour avoir des avantages. Donc, corrompre donc, le prophète pour qu'il dise des choses de bien. Il sait peut-être que son fils va peut-être mourir. Il est allé voir donc le prophète, lui donner des cadeaux, en espérant que le prophète dise quelque chose de bonne nouvelle. Donc, si le prophète peut dire de bonnes choses, donc ça accomplit. Tout comme donc, auparavant, donc, Dieu a utilisé le prophète Achia pour lui dire. Donc, un nouveau vêtement, il faut digérer en 12 parties. Deux parties, c'est pour Roboam. Et 10 pour Jéroboam. Et tu prends ton corps, en fait, distribue. Tu seras le roi d'Israël. Donc, c'est ma prophétie. Tu seras donc roi d'Israël. Et puis, il est vraiment roi d'Israël. Mais il veut donc maîtriser donc son destin. C'est vrai que le prophète a dit, c'est accompli. Mais il veut malgré tout maîtriser donc son destin. Car il n'avait donc pas confiance en Dieu. Il a fait donc deux veaux d'or. Il a donc établi des épreuves. Il a fait donc des offrandes. Dans le volume. Il a donc introduit donc dans le péché d'adorer des pots d'or. C'est ça l'Éternel qui t'a fait sortir, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Donc, c'est vos d'or, c'est l'Éternel. Vous ne devez plus aller en Juda, à Jérusalem. Dieu a. Donc, retient de ce péché. Il va pas oublier. Il veut maîtriser donc son destin et se faire passer pour Dieu. Il a fait un Dieu avec des photos. Ça, c'est Dieu. Il voulait maîtriser son destin. Maintenant, son fils est gravement malade. Il veut maîtriser donc le prophète. Dirige-toi, ma épouse, prends tes gâteaux. En espérant qu'il dise des choses de bien. Et donc, je crois que ce qu'il dira, ce sera accompli. Ici, je rappelle à mes frères et sœurs, c'est vrai que Dieu utilise notre Église. Il nous donne à beaucoup de nous pour avoir des dons de prophétie. Il nous donne notre pasteur Déborah le don de prophétie.
par rapport à lui, tant qu'il y a beaucoup de ce personnel et de frères et sœurs qui ont des dons de prophétie. Mais savez-vous, ce don de prophétie, il a donc établi beaucoup de personnes dans l'Église. Mais maintenant, on a marché pendant 20 ans. Mais j'ai besoin de vous rappeler, je vois une vérité. Il y a donc des personnes, à cause de ce don de prophétie, ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils ont quitté l'Église. Pourquoi? Est-ce que donc, le don de prophétie n'est pas bien? Non, non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est le problème des hommes. Le prophète lui-même a des problèmes. Ce qui vient devant le prophète, il a aussi des problèmes. C'est comme ce Jéroboam. Il est venu chez le prophète. Il voulait donc corrompre le prophète pour que le prophète dise des choses bien. S'il dit quelque chose de bien, alors je vais croire. Alors que ça sera accompli ainsi. Mais quand tu agis de cette manière face au prophète, il a été corrompu. Ce qu'il lui dira, est-ce que ça va être accompli? Ce ne sera pas accompli. Car ce ne sera pas Dieu qui lui a donné. Ces paroles ont été, c'est toi qui voulais donc contrôler, qui a dit, il n'a aucune force. Ce ne sera pas accompli. Alors tu dis, pourquoi ça n'a pas coupé? Alors tu es fâché contre Dieu, tu es fâché contre l'Église. Pourquoi tu m'as dit que pour l'examen je serais un bon résultat? Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi tu me dis que je serais entré dans une bonne université et ce n'est pas le cas actuellement? Bien sûr, pour les jeunes, leur vie n'est pas mature. En fait, c'est ce que le prophète lui a dit, ce n'est que pour l'encourager. C'est le problème du pomme et de la banane. Ce qu'il reçoit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de lui-même. Et pour finir, il était pas content, il est fâché contre beaucoup de personnes. Et puis il a quitté. Nous devons faire attention à ceux qui écoutent les prophéties, qui cherchent la prophétie. En fait, tout ce que tu entends, tout ce que tu cherches, ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce que tu cherches, mais c'est la prophétie qui vient de chercher. Alors ça, c'est ça qui est réel. Comprenez-vous? En tant que personnel, en tant que frère et soeur, si on a donc reçu des dons aussi, nous devons faire attention, nous ne devons pas être contrôlés par les autres. Faut pas garder les cadeaux des autres. C'est pour ça que notre pasteur Déborah, notre prophète, reçoit beaucoup de cadeaux. Beaucoup de gens veulent être contrôlés. Vous allez faire des prophéties pour des gens. Vous ne pouvez pas recevoir de cadeaux. Si quelqu'un te donne 10 000 dollars, si tu as mangé, ce genre de prophétie, tu peux pas le dire. Ici, donc, avec un chien. La femme de Jobin a pris beaucoup de cadeaux et s'est déguisée, ce qu'il a dit comme prophétie. C'est que toute sa famille va mourir. Et en plus, il n'y aura pas de descendance. En plus, la mort sera son enterrement. En plus, il dit, ton fils maintenant, il va certainement mourir. Dès que tu seras arrivé, dès que tu as franchi la porte de ton fils va mourir.
C'est pour dire que tu vas plus voir ton fils. Mais ce fils va mourir de manière la meilleure. C'est la grâce que je vais lui donner. La grâce que je lui donne, c'est qu'il puisse mourir maintenant. Car s'il meurt maintenant, il peut encore être enterré. Les autres ne pourront pas être enterrés. Donc, s'ils sont hors de la ville, ils sont mangés par les toques. Dans l'intérieur de la ville, ils sont mangés par le chien. Et en dehors de la ville, ils sont mangés par les oiseaux. Ils ne vont pas entrer dans le cimetière. Ça, c'est concernant la famille de Jéroboam. À propos de donc, le royaume de Jéroboam, Israël. Vous serez donc détruit. À partir de maintenant, le peuple de Nord. Donc vous serez donc comme le roseau, donc roseau paloté par l'eau. C'est au verset 14, l'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour-là, n'est-ce pas déjà ce qui arrive? Donc, le verset, ce jour-là, maintenant, regarde. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ça, c'est la maison de Jéhovah. Donc, l'Éternel va frapper Israël et connaîtra le même sort que le roseau paloté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il a donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate parce qu'ils sont fabriqués des idoles irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner donc Israël à cause des péchés, je crois, à commis. Pourquoi donc Dieu a donc contre Jéroboam et Israël. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a commis à l'Israël. Ainsi, jusqu'au verset 20, c'est écrit donc ce qui s'est passé. Jéroboam a 22 ans, puis il coucha avec ses ancêtres. Donc à cet endroit-là, on voit que Dieu est très sévère avec Jéhovah. Son royaume va être terminé, son pays va disparaître. Donc tout ça va disparaître. Celui qui meurt le mieux, c'est son fils qui partit, car il pourrait être enterré. Dieu lui a dit au verset 7. Va dire à Jéroboam, verset 7, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai tiré du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné, pourtant tu n'as pas imité mon serviteur David qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, de façon que ce qui est droit à mes yeux. Verset 9, tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des yeux étrangers, des idoles en métal fondu pour mériter et tu m'as rejeté. Au verset 10, et voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la femme. Et ainsi tout le malheur
Donc le prophète, il a dit, donc, je vais donner le royaume de David. Donc, le prophète a transmis donc, la parole de Dieu. Donc, je t'ai donné le royaume de David. Donc, Salomon n'a pas fait comme Salomon n'a pas fait comme son David. Respecter donc les commandements de il faut garder les commandements pour que les commandements soient pas prêts et suivre tout le cœur. Donc c'est ce que je donnais comme titre. Donc Dieu n'abandonne jamais ses élus. Pourquoi? C'est à cause de David. Tu as donc faire comme David. Gardez mes commandements et respectez mes commandements. Et suivre de tout ton cœur. Donc me suivre de tout ton cœur. Tout le cœur. Tout le cœur de ton sens de ton cœur doit être derrière moi. Ça, c'est suivre Dieu. Suivre Dieu. Le cœur de David était derrière Dieu. Ici, il dit, donc, Jérôme, pourquoi ton cœur n'est pas comme David est derrière moi? C'est pour ça que Dieu était très sévère envers lui. La deuxième partie, donc le verset 21. Par rapport au homme, donc Dieu est encore plus surprenant. Est-ce que Jéroboam était meilleur ou Roboam était mieux? À son avis, qui est le meilleur? Bien sûr, c'est Jéroboam qui était le meilleur. C'est le ciel et la terre. Jéroboam, c'est celui qui a donc construit la ville de Milo. Il est donc un grand architecte. Celui qui a donc suivi donc toute la production. Donc à part donc le temple et le palais, celui qui est responsable pour tout le reste. C'est le troisième projet de Salomon. Donc quelqu'un qui était donc très intelligent, très fort. Mais ce Roboam, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. N'était pas du tout intelligent. Il dit que son petit doigt était plus gros que le rein de son père. Son père était donc Salomon. Il était trop orgueilleux. Alors cette personne, il était trop loin, trop loin par rapport à Jéroboam. Mais Jéroboam a fait de mal beaucoup plus que Jéroboam. Donc ce que donc fait donc il a fait autant mal aux yeux de l'Éternel. En plus, je qu'il a fait qu'il n'était pas bien. Sa mère s'appelait Nama et c'était une ammonite. Donc, Nama, c'était une ammonite, c'est apparu deux fois dans ce parti. Donc, ce qu'on a gagné. Donc, il y avait des mecs qui étaient influencés. En plus, c'était une étrangère.
de ta famille, donc la descendance de David. Roboam. Et il régna à Jérusalem, la ville de l'Éternel avait choisi de faire rendre à toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Donc, était choisi par Dieu. C'est Dieu qui a choisi la famille de David, car Dieu avait choisi David. David voulait donc construire le temple de Dieu. Dieu a donc à cet endroit pour habiter dans cet endroit-là. Alors, Roboam a donc été roi et il a régné pendant donc 17 ans à Jérusalem. Il était influencé par sa mère, une ammonite. Verset 21, les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par le péché qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avait fait donc leur ancêtre. Donc il a fait pire que Salomon. Salomon a donc péché, donc 10 tribus sont parties. Ici, dans Roboam, il a fait encore des péchés pires. Alors comment? Si donc si on les, donc c'est sûr qu'avant comme font donc de donc, au moins le tribut de Benjamin ce sera qui était Judas même peut-être dans la tribu Judas il y a donc des divisions dans la famille de Judas. Il a fait donc du mal pire que ses ancêtres. Il se constitue aussi des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Il fait donc. Il imitait toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait déposées devant Israël. Il faisait encore pire que les ancêtres, pire que Salomon. Mais comment on l'a traité? Au verset 25, la cinquième année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem et prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit tout ce qui est en or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes les portaient. Comment Dieu t'a traité, Roboam? La période de Salomon, c'était le règne de l'or avec Bédouin. Arrivé à Roboam. Il en arrive à une époque de bronze. Donc c'était donc dégradé. C'est ainsi. Le fils de Roboam, il n'est pas mort. Le meilleur fils de Roboam est mort. Il n'est pas dit que le fils de Roboam est mort. Donc, entre les deux, Jéhovah, mais Jéhovah. Donc, toute la famille d'Abraham, oui. Et mais Jéhovah, la famille de Jéhovah n'est pas dans cette malédiction. Il n'y a que tout ce qui est or devient en bronze. Était donc attaqué par. Attaquer, défaite devant l'Égypte. Donc, ils ont utilisé donc les armes chez les Égyptiens, c'est pour ça que l'Égypte est facile pour le battre. Bien sûr, l'Égypte va donner les meilleures armes
Donc, qu'ils gardent le meilleur pour eux et les moins bons, ils les donnaient à eux, ils les vendaient à eux. Donc, pendant la guerre, toutes les armes seront supérieures à ceux qui sont vendus. Peut-être qu'il a été trop influencé par son épouse. Comment Salomon a pu faire ainsi? Au verset 29, le reste des actes de Roboam, tout ce qu'il y avait, et qui est dans un Judas, il y a toujours une guerre entre Roboam et Jéroboam. Donc, Roboam était attaqué par l'Égypte, donc tout ce qui est précieux, l'or de temple et du palais des volées. Donc, tout ce qui est or est remplacé par le bronze, il n'avait pas la paix. Il devait donc se battre contre le temps que l'Égypte, il n'avait pas la paix jusqu'à sa mort. C'est ça que Dieu l'a traité. En comparaison, Roboam et Jéroboam, les deux étaient mauvais. Mais comment ils sont traités, c'est différent. Par rapport aux Israéliens qui sont en exil, comment est-ce que ça aurait été ainsi? Ainsi, c'est à cause de David. Jérusalem a été choisie par Dieu, car Dieu a choisi la famille de David. Donc Dieu, dans ce que dit dans 2 Samuel, plus ou moins verset chapitre 7, c'est donc la prophétie à David. Je te garderai donc toute ta famille pour toujours, car tu as un cœur envers moi. S'ils sont mauvais, je vais les punir. S'ils reviennent, je vais les bénir. Il y aura donc un descendant pour prendre la place. Je t'ai choisi. C'est pour ça aujourd'hui, la différence entre Jéroboam et Roboam. Pour Roboam, il est derrière donc le descendant de David. La promesse de Dieu est là, le choix de Dieu est là. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Mais malheureusement, Roboam ne s'est pas repenti. Et tout le pays était sous ce jugement. Mais à chaque moment, c'était aux mains de Dieu. À ce moment-là, il y a la guerre, mais par rapport donc, au royaume du Nord, c'est beaucoup mieux. Donc le royaume de Jéhovah. Car il y a le choix de Dieu qui est là. Pour les Israéliens qui sont en exil, malgré qu'ils sont en exil, le choix de Dieu est là. Donc il va pas l'abandonner, c'est lui. Ils peuvent donc être donc, rentrés de l'exil. Le royaume de Dieu va continuer. Donc si jusqu'à aujourd'hui, nous savons que nous sommes en Jésus, nous avons été choisis. Mais comme Dieu nous a choisis, nous avons tout nos cœurs suivre Dieu. Dieu va nous quitter. Nous avons des faiblesses, nous avons que confesser. La grâce de Dieu qu'on va continuer sur notre vie. Nous ne devons pas être donc tirés par ce monde. Nous ne devons pas être donc être jaloux des autres. Que nous devons suivre Dieu, que notre cœur suive Dieu. Nous ne devons pas suivre ce monde. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup d'assurance. Nous savons que nous avons beaucoup de faiblesses. Nous devons retenir cette vérité. Nous pouvons être faibles, mais nous pouvons repentir. Que notre cœur lui donne à Dieu, d'être derrière Dieu, respecter ses commandements. Donc tout notre cœur suivre Dieu, ne pas adorer les idoles. Aujourd'hui, notre problème est quoi?
Bon, en fait, ce n'est pas vérité. Nous ne pouvons pas le faire. Car nous n'avons accueilli de ce monde, tout comme Solomon. Il allait donc adorer des idoles. Ah, c'est notre problème. Ce n'est pas que nous n'aimons pas Dieu. C'est le problème que nous avons plusieurs dieux. Nous aimons Dieu. Nous aimons aussi Mammon. C'est fait pour l'Église, beaucoup de personnes, des conflits. Mais dans l'histoire, je vois l'œuvre de Dieu. Il n'abandonne pas ses élus. Nous devons faire des efforts. Dans Christ, nous devons confesser, retourner. Nous croyons à la chose de Dieu qui a un espoir. Je vous bénis. Merci Dieu d'être parmi nous. Que toute situation puisse en tant que louer et honorer Dieu. Ensemble devant nous. Que Dieu soit au milieu de nous. Puis notre bienvenue, que notre roi, notre Dieu, que nous devons que soit avec nous. Puis que toute situation soit avec nous, nous te louons, Seigneur.
Oui, c'est Dieu qui nous appartient. Nous avons été choisis. Merci pour avoir été choisi. Puis, tu nous as parlé de l'église. Nous avons été choisis. Celui qui nous choisit, c'est un Dieu vivant qui c'est l'éternel des hommes. C'est Dieu qui nous choisit personnellement, chacun de nous. Nous sommes ici par rapport à ça. Oui, la volonté de Dieu, c'est notre destin. Oui, je vois beaucoup d'étudiants. Oui, tu as laissé tomber votre travail. Puis tu viens suivre de tout mon cœur. Et nous sommes ensemble, à part pour qu'on regarde ça. Est-ce que nous voulons suivre Dieu de tout mon cœur? Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Lorsque nous nous produisons un théâtre, notre cœur est tout notre cœur derrière Dieu. C'est pour ça, lorsque nous s'assurons, et nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. En ce moment-là, je demande principalement les étudiants de venir ici devant, à genoux. Oui, dans cette louange, dans ce jour, je demande aussi toutes les personnes de venir ici s'agenouiller devant, ici devant. Oui, devant Dieu, en mission. Que Dieu nous éclaire. Est-ce que notre cœur est en train de se refroidir? Peut-être pas tous devant ici, peut-être que vous êtes ici devant, sur l'escalade. Oui, Saint-Esprit, viens nous aider. Nous sommes choisis. Chacun de nous a été choisi. Oui, tout est ta grâce que tu as choisi. Mais notre cœur, est-ce qu'il se refroidit? Petit à petit, il se durcit. Petit à petit, notre cœur s'éloigne. Petit à petit, notre cœur ne vient pas complètement. Oui, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Je demande aux frères et sœurs qui sont assis. Oui, je demande de vous demander personnellement à Dieu. Comment nous regardons les prophéties? Nous voulons entendre des choses bonnes.
placer nos mains, chercher le courage. Nous voulons entendre ce que nous voulons entendre. Nous ne pensons pas que nous sommes contrôlés par Dieu, mais nous sommes contrôlés par Dieu. Une fois, deux fois, trois fois, chaque semaine. Pour les étudiants qui ont été touchés, je vous demande de prier. Vous pouvez prendre le micro, prier devant Dieu. Tous ces personnes, étudiants, personnels étudiants qui viennent servir. Oui, Seigneur, tous ces personnes, nous disons que nous nous laissons tomber le monde pour venir te suivre, Dieu. Nous avons soif de te suivre, mais Père Céleste, oui, nous sommes à côté de ton cœur. La piété nous poursuit, mais d'un côté, notre main accroche à ce monde. Oui, mais devant toi, nous pouvons nous cacher. Oui, nous demandons personnellement de nous pardonner. Nous n'avons pas fait donc tout en cœur de notre C'est comme pour mettre la tavoie. C'est comme le travail pour notre cœur à se froidir. Notre cœur est endurci. Parce que vous nous appelez, nous faisons réponse le cœur pour se servir. Seigneur, nous devons toi, nous prions que tu puisses à nouveau, donc, oui, réélever notre cœur de servir, le flamme qui est là pour servir. Mais Père, viens éclairer chacun de nous. Je vois une image. Lorsque nous nous suivons, nous sommes sur le chemin du ciel. Mais notre main, nous accrochons à ce monde, de l'argent, le travail, les avantages, l'adoration. Ça, c'est notre situation. Si c'est cette situation, ainsi, nous voulons devant toi pour nous confesser. Viens nous aider. Pour laisser tomber tout ça. Oui, laisser tomber tout ça.
Oubliez le fait de s'accrocher à ce monde, l'argent, le temps. Oui, nous n'avons pas la peine. Que ce soit notre cœur, que ce soit ton cœur, suivre uniquement toi. Viens nous aider pour que nous puissions de toi. Nous avons besoin de toi, nous espérons toi. Oui, nous ne pas taper dans nos yeux. Nous ne valons pas la peine, nous sommes dans la faiblesse. Nous avons besoin de toi. Les endroits cachés puissent être ouverts à toi. Quelqu'un de sincère envers toi, envers Dieu. Tu fais son droit, tout notre cœur, toute nos forces. Oui, Seigneur, aide-nous à nouveau, nous avons toi, nous avons aussi. À nouveau, nous avons retourné à nouveau vers toi. Je demande. Pour les personnes qui sont à genoux, nous allons prier pour entrer dans un nouveau commencement, pour que notre cœur suive Dieu, pour suivre Dieu de notre cœur, de notre cœur suivre Dieu. Oui, Seigneur, enlève toutes les idoles de notre cœur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi. Oui, jette les idoles de notre cœur. Se forme ou pas, enfant. Oui, enlève complètement. Pour que notre cœur puisse retourner vers toi. Que tout notre cœur soit tourné vers toi. T'as pas de lire à toi pour te suivre. Papa, Père, aide chacun de tes enfants. Ceux qui sont les enfants personnels ou les étudiants. Pour que tout notre cœur puisse
t'appartenir sans participation, pas d'intérêt, pas tordu, pas moitié-moitié, oui, pas. C'est-à-dire donc partiellement que tout le cœur soit complètement par le Saint-Esprit. Puis vient de nouveau pour changer notre cœur, changer notre cœur à nouveau. Partiez pas à ce monde. Ça n'appartient pas aux idoles. Tu nous as donc sortis de l'esclavage de l'Égypte. Nous ne voulons plus servir l'Égypte. Que notre cœur, tout ce qui est image de l'Égypte puisse être enlevé. Tout ce qui est attirance de l'Égypte puisse être enlevé. Que tout notre cœur puisse t'appartenir. Oui, ensemble, disons à Dieu. Oui, faisons une alliance avec Dieu. Oui, notre cœur t'appartient. Notre cœur doit compter sur toi. Depuis notre cœur, nous en sortons. Oui, garde notre cœur. Protège notre cœur. Oui, bien garde. En ce moment-là, nous avons Dieu qui nous garde. Pardon. Pourquoi influencer notre prochaine génération? Pour notre descendance spirituelle ou naturelle. Les chantiers de robots et des humains. Influence de notre prochaine génération. Oui, c'est, nous ne voulons pas que ce mal puisse transférer vers notre prochaine génération. À partir de ces générations, nous devons être droits. Nous devons simplement t'appartenir. Roboam, il y a eu toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam était dans la ville de David. À quel moment donc les frères étaient en conflit? Israël et les Judéens étaient en conflit. Chacun était donc en faiblesse. A été déterré les étrangers pour tuer les Israélites, tuer ses frères pour être plus fort. En fait, la faiblesse, nous sommes dans la malédiction de Dieu. Pourquoi donc
situation entre toi et entre frères. Quand je vois donc ces histoires, je pense à beaucoup d'églises. Dans les églises, beaucoup d'églises. Donc, les églises à l'étranger. Il y a beaucoup de divisions dans les églises. Il y a des batailles dans l'église. Et puis une division. Et puis une division encore, beaucoup de divisions. Les frères se battent entre eux, conflits entre eux. À cause de ça, nous sommes dans la malédiction. Aujourd'hui, nous voyons donc cette histoire. Je demande à chacun de nous de fermer les yeux. De penser à votre église passée. Est-ce que c'est ainsi? Vous devez savoir la parole de Dieu est vraie. Car nous avons donc suivi de tout notre cœur. Nous continuons à faire le mal. Il n'y a pas de sécurité. Nous pouvons accrocher au monde, accrocher à la richesse, accrocher à ce que nous pensons être comme la religion. Et en fait, ce n'est pas vraiment s'accrocher à Dieu. Nous voulons donc encore plus, plus près. Aujourd'hui, dans ton propre église, est-ce qu'il y a vraiment encore des conflits? Si tu es un mystère, est-ce que dans ton département, est-ce qu'il y a aussi des conflits? Peut-être avec des conflits avec d'autres départements. Pourquoi est-ce ainsi? Ce n'est pas du tout contre eux. Non, ce n'est pas ça. Car Jéroboam a péché. Jéroboam a aussi fait un grand péché. Ensemble, ils faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils n'ont pas fait donc faire comme David. Il y a donc des conflits fréquents. Dans la ville, dans le pays où nous sommes, est-ce qu'il y a aussi des conflits? Est-ce qu'il y a des conflits entre frères souvent? Dans l'histoire de Abraham et Jéroboam, ils sont en conflit jusqu'à la mort. Ils se battent. Ils s'entretuent dans l'histoire. Ils continuent à faire la guerre jusqu'à ce que la fin du royaume du Nord. Après qu'il y a beaucoup plus de batailles, le royaume de Juda. Ils vont donc battre les nations, car ils ont quitté Dieu, notre pays. Oui, très sûr, devant Dieu, nous devons donc appeler Dieu pour que notre nation. Que je sois dans ton cœur, pour te suivre Dieu de tout notre cœur. Nous sommes donc dans la bénédiction de notre élection. Nous avons nous repenti. Connaître donc cette vérité de la repentance. Dans cette étape, nous devons savoir que nous avons repenti. Nous devons donc appeler Dieu. Nous devons donc pour notre ville, notre église, notre département, nous repenter. Pour nous-mêmes.
Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour ne pas avoir peur. Pardonne-nous parce que nous avons étranger et aimé avec toi et nous aimons avec ce monde. Nous, Oui, pardonne-nous que nous ne sommes pas chrétiens, pas quelqu'un qui a donc la foi. Oui, Seigneur, nous n'avons pas donc suivi ton cœur, pardonne-nous. Oui, Seigneur, que notre cœur puisse retourner pour te suivre simplement. Nous te remercions. Au nom de Jésus, Amen. Ensemble, levons-nous. Au nom de Jésus, je bénis chacun de vous. Bénis donc chaque église, chaque nation, donc département, pasteur, tout comme David, suivre Dieu de tout son cœur. Et donc pour Dieu, nous avons par cœur. Chaleureux pour battre Goliath. Pour le nom de Dieu, donc, chaleureux pour construire le temple. Pour le nom de Dieu, pour la paix de Dieu, quelle que soit votre position. Que ce soit ton père dans le temple, 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 dans le
que ton cœur ne puisse pas tomber. Que Dieu te protège, pour te guider. Tu es choisi par Dieu. Et quelle soit la position où tu es, puis te rencontrer la présence de Dieu. Et au nom de Dieu, nous entendons pour qu'on caresse, pour que nous puissions chanter, pour que nous puissions la paix de sa vie. Amen. Amen. Amen.